La femme et son bébé. Parfois on passe voir les choses qui marquent plus. C'est une mécanique logique, ça s'explique plus. Par exemple, la femme qui lève son bébé, cette femme qui a consacré une partie de sa vie, que la traite sans même lui porter un dixième d'attention. Après réflexion, j'ai réalisé, sur l'une des hommes, c'est une partie à cause d'elle. Mais je reconnais qu'elles ont du mérite, elles méritent le respect. Paix sur ces femmes qui montrent l'exemple et permettent à une catégorie de femmes d'être respectées, d'être considérées. C'est sûr, c'est dur, au fur et à mesure se marquer, influencer, impliquer les jeunes à remarquer, constater leurs efforts et encore leur score n'est rien à comparer. Les épreuves par lesquelles elles passent dans la masse classe, ces femmes qui l'offrent leur bébé sont rares que très très, sans même la respecter en lui collant une étiquette. Son enfant, ça peut être ta mère, ta soeur, ta petite amie ou même ta femme qui passe des heures avec ce bébé en cherchant quelque chose, son bonheur. Cette femme qui lève son enfant, ça peut être ta mère, ta soeur. N'oublie pas que toi aussi t'étais ce bébé qui est élevé par une femme, une dame. Aujourd'hui t'arrives à jurer sur les filles que t'as rencontrées, je ne sais où, qu'elle t'a apporté, donné beaucoup plus que celle que ton bien l'a prouvé. Déjà prouvé son courage, son amour, son parcours. Cours toujours et vite et dis-toi devant elle, t'es pas nave. Garde-les pour celles qui jouent avec ta tête qu'on leur doit. C'est un minimum, minimum de respect pour elle, toi, toi et toi. Tu pourras vaut mieux celle t'as rien pour rivaliser. Avec leur espoir, comme tu vois, elles sont nées avant nous, on leur doit tout. On sent tête, tête, on sent bête, bête. À jouer les malhonnêtes, en plus, on n'a pas nos boulettes. Femme se défonce comment, elle lâche pas l'affaire, c'est clair. J'ose pas imaginer les sentiments qu'ils ont pour un bébé, c'est clair. C'est plus énorme que montagne, c'est plus profond que toutes les mères réunies. J'aime ces femmes, j'aime leur patience, je les aime tout court. Ça veut pas dire qu'elles sont toutes parfaites, mais je suis pour ce style de femmes qui font ce qu'elles peuvent pour pas qu'on recolle l'image qu'elles sont toutes les mêmes, qu'elles sont ce qu'elles sont, sans pitié, sans cœur, qu'elles sont toutes des vagondées. Tous ces mots ne remplaceront pas, n'effaceront pas ce qu'elles sont décidées à se faire pointer du doigt. Aux saisons, t'as vu comment elle est, t'as vu ce qu'elle fait. C'est violent, tu comprends qu'à travers ce texte, je prétends que ces mamans méritent un hommage pour ce qu'elles sont et font, même si certains ont le courage, la rage, la raconter mieux que moi, moi aussi je leur rends hommage. J'aime ces femmes, j'aime leur passant, je les aime tout court. Toi qui lèves.